Salut les amis, on se retrouve pour la suite du jeu Paper Dolls original. Donc on reprend tout de suite après l'épisode 1. Ce qui fait que c'est l'épisode 2, logique. À la suite de cette dame au visage complètement déformé qui nous a attaqué. Donc j'aurai pas vos retours parce que comme je vous le disais dans l'épisode 1, j'enregistre les vidéos successivement. C'est des petites vidéos hein, de 20 à 30 minutes, je sais pas trop. On verra si le format plaît. Je tente. Hein, qui ne tente rien n'a rien. Je suis un peu embêté là avec ce. Avec ce truc là. Parce qu'il faut mettre quelque chose dedans et bah, j'ai aucune idée de quoi. Ah, je sais pas. Je pense qu'il faut qu'on continue. Allez, on perd pas de temps. On continue tout de suite. Ah, je pense qu'on va recroiser la dame. Hein. Alors, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, hein, je les lirai plus tard, au fur et à mesure que je posterai les vidéos. Pourquoi ça me fait flipper ici, ça me donne des frissons. Si le jeu vous plaît, si vous le connaissez déjà, parce que moi je le connaissais pas du tout. Et si je suis une grosse flippette. Bon, graphiquement, on va pas se mentir, c'est pas un triple A. Hein. C'est pas non plus dégueulasse. Bon, ça fait le taf. Je crois qu'il tourne sous Unreal, j'arrive jamais à le dire. Enfin, vous savez, là, Unreal Engine 4 là. Ah, il y a des portes par. Molly? N'aie pas peur, Molly. Je trouverai la clé dès que possible. Le mec sans pression. Ok, donc il y a une espèce de truc d'aura qui m'empêche de. Mais j'adore le gars en mode, ne t'inquiète pas Molly. Je trouverai la clé dès que possible. Il est possible que tu meures entre-temps, ma fille, mais je vais faire de mon mieux. Et la gosse, elle veut juste son lapin. Je sais pas pourquoi la façon, enfin le doublage quoi me fait marrer. Quoi. Putain, je peux pas mettre le doublage genre en japonais ou quelque chose comme ça. Ok, ah si je peux, ouais. Oula, c'est quoi ça? C'est du coréen? C'est possible que je me trompe, hein, mais. Je mettrais bien le doublage comme ça, là, avec des sous-titres. J'espère que les sous-titres restent en français quand même. Parce que, ouais, c'est. Le doublage français. Ah merde! Ah ouais, mais non! Ah putain, non, 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 du tout. Ah ouais, du coup je suis obligé qu'en fait. Ah ouais, bah non, bah je laisse en français. Je vais rien comprendre au menu sinon c'est. Bon, j'ai plein de portes à ouvrir, ça va être l'objectif d'aujourd'hui, je pense. Et trouver ce qui se met dans cette espèce de vase là. Les poupées, elles ont rien à voir avec ça, on est d'accord. Regardez là, elle est normale, elle est normale, elle a pas de bras, elle lui manque une jambe, elle lui manque. Elle, c'est un tronc quoi. Et du coup, j'ai là 8, 4, 2, 6, 3. On va continuer d'avancer. Ah, j'ai peur que ça me tombe dessus comme dans le premier épisode là. J'entends comme du vent là. Bon, ouais, les textures elles sont bien figées. Hein. C'est collé, ça bouge pas. Vas-y, on va avancer. Ouais, pourquoi je flippe de ça? C'est un miroir. C'est un miroir. Une autre poupée. À droite, il y a quoi? Regarde doucement, s'il te plaît. Ah, j'ai pas envie de l'ouvrir maintenant, lui. Il me tente pas. Mais arrête! Ferme-toi! Vas-y, je vais l'ouvrir. Donc, il n'y a rien. À part, on peut se cacher dedans, d'accord. Mais si elle m'attaque direct, genre, j'ai pas la possibilité, en fait, de me cacher dedans. Ah, mais il y a plusieurs poupées. D'accord. Bon, c'est les mêmes, hein, mais avec des parties manquantes. C'est la numéro 7, celle-ci. Et du coup, là, je pense qu'il me manquait la numéro 1. Ah, il faut que je les mette dans l'ordre, non? Ok. Toi, tu vas aller ici. Non? Qu'est-ce que je dois faire? Ah ouais, non, d'accord. Il en manque une, là. Bon, bah, il en manque une, mais visiblement, elle me sert à rien.
Ah ouais, je vois le délire. Ah, ça va être relou. Ah, il faut que je les équilibre. Peut-être plutôt par ici. Toi, va plutôt par là. Toi aussi. Toi aussi. Regardez là. Ils ont tous leurs membres là. Et là, du coup, je peux pas mettre la une qui est sur moi, quelque chose comme ça? Je mettrais bien celle-ci, genre là. Ah ouais. Genre j'enlève, ça fait tout. Et si j'en mets une plus grosse là? Je crois que je vais mettre toutes les plus grosses à droite. Hop, toi du coup, viens ici. Et toutes les plus petites. Oh, j'y suis presque là. Oh, viens là, toi. Hop, tac. Toi, je pense que je vais te mettre là. Toi, je vais te mettre là. Eh non, il m'en manque une. Et là, je pense qu'elles sont pas dans le bon ordre. Là, qu'est-ce qui me fait dire qu'elles sont dans le bon ordre aussi? J'en sais rien. Ah, il me manque une poupée, c'est sûr. C'est quoi ça? J'ai vu Nounou Chen suivre Ding Xiang dans la pièce. Était-ce? Toujours le même journal de Monsieur Lin. Ling, Ling. Oui. Qu'est-ce? Pourquoi tu te refermes plus la porte? Ah, ben voilà! La poupée manquante. Y a rien d'autre à prendre? Une carte. Bureau, galerie, salle d'exposition, maison de thé. Ok, ça. Ah, ok, moi, donc je suis parti du hall d'entrée. On a pris. Je peux pas zoomer. On a pris la Safe Garden, je crois que c'est ce qui est marqué. Non, qu'est-ce qui est marqué? Aucune idée. Enfin, bref. Leaf Garler, je sais pas trop. Du coup, après, on a pris la direction de la maison de thé, mais on n'a pas pu passer dans la salle d'exposition. Et là, enfin, la salle d'exposition 1. Là, je pense alors qu'on est du coup. Ah, je me rappelle même plus de. Faut que je fasse attention à ça, je me rappelle même plus d'où. Toi, t'as pas les bras. T'es la numéro 5. D'accord. Donc là, on peut rien ouvrir d'autre. C'est leurs anciennes couchettes, ça. Ding Xiang devient plus belle avec l'âge. L'apparence physique d'une fille change rapidement avec les années. Elle ressemble plus à une femme riche qu'à une servante. Monsieur Liu. Monsieur Liu était. Avait des petites vues sur la petite dame. Alors, on va essayer de résoudre ce truc là, du coup. Alors, ouais, mais alors du coup, il faut que je les redéplace parce que. Ou alors je l'attends ici, là. Elle est où? Il est où le truc manquant en vrai? Ben, c'est pas possible, je les ai toutes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, ok. Non, mais je les ai toutes, mais je les mise dans vraiment genre le mauvais ordre, quoi. Je vais essayer d'inverser les trucs. Genre toi, là, avec elle. Putain, je me plante complètement. On va remettre. Putain, je suis pas loin, hein, je suis vraiment pas loin. Lui là, qui a juste le but, il pèse pas beaucoup, donc je pense que. Tiens, peut-être toi qui pèses beaucoup là, avec toi. Ouais, franchement, juste de la chance. Une clé en cuivre, numéro 4. Bah c'est. Il n'y avait rien, hein. Il n'y avait pas de truc de clé là. Tac, 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 tac. On va aller voir où on peut ouvrir ça. Alors, où est-ce qu'il y avait une serrure en cuivre? Sale lampe torche. Genre. Ah, attends, c'est quoi ça? Ah, c'est de l'orage. Ok. Et là, je peux pas t'ouvrir ça. Alors, toi, ça serait du cuivre ou pas? Non. Je sais plus où c'est. Ok, donc il pleut, il y a de l'orage. Donc là, c'est d'où j'arrive. Ouais, ok. Ça, c'est d'où j'arrive. Ah, donc ça serait cette fameuse là-bas. Oui, effectivement. On a notre fille qui est enfermée. Mais ça me dit toujours pas, du coup, ce que je dois mettre. Euh.
dans ce truc là. Bon, j'ai plus les poupées qui m'embêtent, c'est déjà bien. Je vais essayer d'aller ouvrir cette clé. Cette porte. Non, l'orage. J'aurais eu qu'un éclair, mais il était violent. Allez. On ne peut pas utiliser. Putain, c'est pas vrai! Ah ouais, attendez, il y avait une autre porte, non? J'avais pas dit. Ouais, là, à gauche, là. Il y a une salle où je pouvais pas aller. Ouais, je crois que c'est ça. Exact, yes. Allez, doucement. Putain, il veut pas genre les ouvrir doucement là? Quoi, c'est quoi ça? Elle est. Oh! Oh! Je peux pas partir là, ta mère! Mais il revient dans le temps! C'est dégueulasse et en plus le plafond il se baisse! Quoi, qu'est-ce qu'il faut faire? La lampe de Porsche est trop brillante. Je l'éteins. Y a rien. Y a rien. On voit rien. Je sais pas ce qu'il faut faire, s'il vous plaît. Je peux les niquer là avec ma lampe de poche. Pourquoi y a des mains partout? C'est dégueulasse. Putain. C'est quoi ça? Je suis où là? Mais ça me ramène dans la même pièce. Je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire. Le bandage. Mais. Il bouge plus? Faut que je fasse quelque chose avec ça là. Regardez, la lampe de poche est trop brillante. Ah non. Je capte rien. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Mais ça change rien! Ça change rien. Eux, ils mettent la pression là. Dégagez. Je peux ressortir en vrai ou pas? Regardez, je sors, ça, il fait tout noir. Je reviens là. Mais. Putain. Je sais pas quoi faire. Je peux pas allumer. J'ai rien. Y a rien par terre. Je peux même pas me planquer hein, un truc comme ça. Il y a quelque chose à faire avec ça, là. Ça c'est sûr. Ah, là, là. Elle est bien, là. Qu'est-ce que c'est que ça? Putain, j'appuie, ça fait rien. Oh, il me laisse tomber des trucs dessus, c'est dégueulasse. On dirait qu'il y a quelque chose d'écrit, là, si je le mets comme ça, non? Oh, putain, ça change... Oh! Oh! Oh, ils vont me fister, sa mère. On est d'accord, je peux rien faire. Ah, je... Ah, même si j'éteins la lampe de poche, ça me fait rien. C'est quoi le délire? C'est quoi cette énigme à la con? Je peux m'asseoir? Ah, je m'assois, je vous regarde. Hein. Oh, ah, je suis mort là. Bah oui, mais je peux pas faire cramer un bandage. Ah, bah oui, mais... voilà. Bon, première mort. Je me suis fait gangbang par se cacher parfois la meilleure option. Bah ouais, bah je pouvais même pas m'échapper de la pièce. Je me suis fait gangbang par une vingtaine de mains sorties du plafond. Ah, ça me dégoûte les trucs. Oh non. Non, 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 non. Je sais pas. Faut pas tout que je refasse là. De ma gueule. Genre il faut que je revienne à cette pièce pour sauvegarder en fait là. Oh, faut que je retape le délire des poupées et tout. Oh putain. Bon, on est reparti hein. On retourne. Hop 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 hop. Tac 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 tac. Vas-y ouvre la porte. Nanana, nanana. Ah, et puis je peux pas sauvegarder en fait, ok, donc c'est bien, il n'y a qu'une sauvegarde auto, ok. Il faut pas que je loupe les petits trucs. Hein. Ah, je vais avoir l'attaque de la sorcière là, on se fait pas surprendre. Hein. Ok, donc les cartes d'identité.
une carte d'identité encore. Ah non, c'est quoi ça? Ah oui, c'est vrai, le peintre qui met enceinte les gens. C'est cool. Hop, hop, bon. Alors, elle arrive de là-bas, elle. On va se la taper. Voilà, allez. Petite séquence de QTE. Hop là, hop là, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Merde, casse-toi. Je suis pas de ta famille, qu'est-ce qu'il y a? Lâche-moi, lâche-moi. Lâche-moi. Regardez sa bouche, regardez sa bouche. Comme elle est dégueulasse en vrai. Attends, reste là aussi. Ah, mais quand même bien l'impression. C'est dingue. Ah, là je peux me cacher et tout. Le même style de miroir que j'ai eu le problème là tout à l'heure. Je veux rien savoir. En vrai, mon allumette que j'ai utilisée pour ce truc là, je pense que je vais pas l'utiliser là, pour. Bouillir un médicament dans la maison de la porta. Ok. Il y a bien ce problème de médoc là qu'il faut faire bouillir ou je sais pas trop quoi. Mais le problème c'est que je sais pas comment. Il va toujours y avoir le truc là avec les poupées. Ah, toi je peux rien y faire. Toi non plus. Là on rattrape quoi ici déjà? Ah, voilà une allumette. Pourquoi on met une allumette dans une petite boîte comme ça? On n'en sait rien. Ça c'était quoi? Ah oui voilà, ok. Ah, je me rappelle plus du tout l'ordre des poupées. Vas-y, je me casse. Ah ouais, c'est vrai. On va voir le super doublage. Ah, juste pour le plaisir, quoi. Molly? J'ai peur. N'aie pas peur, Molly. Je trouverai la clé dès que possible. N'aie pas peur, Molly. Je trouverai la clé dès que possible. Attends-moi là, sois mignonne. Ah, il est épique ce truc. Ah ouais, genre il court 3 secondes, il est fatigué. Ok. Bon. Ah, je suis désolé, mais c'est... il me prend toujours rire. Alors, on avait fait quoi déjà? On avait ouvert là, hop, il n'y avait rien du tout, à part se cacher, mais ça sert à rien. Là, il y avait la poupée. Tac, tac, là, il y avait une pièce qui disait qu'il avait Nounou Chen et Ding Xiang dans la même pièce. Moi, je crois que la Nounou et Monsieur Xiang, hein. C'est mon plaisir un petit peu, là. Ah, je t'avais pas vu, toi. Je peux essayer le sort inscrit dans les livres anciens. J'ai juste besoin de quelques poupées en bois et des aiguilles en argent. Les deux bras des poupées doivent être, doivent avoir le même bras qu'une jambe. Je dois être prudent en le faisant. Alors, les deux bras des poupées ont le même poids qu'une seule jambe. Ok. En fait, je suis con parce que j'ai réussi tout à l'heure. Mais... Ah, mais une autre allumette. Les deux bras des poupées... Ok, donc en fait, moi... Là, je suis bien dans la chambre d'hôtel. Les deux bras des poupées ont le même poids qu'une seule jambe. Monsieur Liu. Alors, vas-y, on va retester. Faut que je retrouve encore. Les deux bras des poupées ont le même poids qu'une seule de leurs jambes. Je crois que déjà, j'avais commencé par mettre toutes les stocks là-bas. Hop, tac. Toi, hop, tac. Toi, hop. Merde. Hop. Alors, ah mais, en fait, il m'en manque toujours une, la poupée. Non? Si? Ouais. J'avais pas toutes les poupées, en vrai? Non, j'ai pas oublié quelque chose là. Là en gros, les deux bras des poupées ont le même poids qu'une seule jambe. Donc, ça, elle a genre le poids d'une de ses jambes, c'est deux bras d'une poupée.
Donc je pourrais peut-être plutôt la caler là. Et genre j'en cale une ici. Et genre toi, je te mets ici. Et genre toi, je te mets là-bas. Genre toi, je te fous là. Non, 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 c'est pas crédible. Toi, je te mets là. Et toi, je te fous ici. Les deux bras des poupées ont le même poids qu'une seule jambe. Il manque une poupée! Ah, je m'énerve alors. Ouais. Non, 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 il me manque une poupée. Il me manque une poupée, c'est sûr. J'ai dû déconner, passer trop vite. C'est quoi ce bruit là? Oh putain, je l'avais oublié lui. Ah. Regarde, il court 2 mètres, elle en peut plus de sa vie. Et ah bah voilà. Ah oh, je suis nul, mais je fais les choses trop vite aussi. Bras d'une poupée fait le poids de ça. Ah ça, je vais me le répéter 10 millions de fois dans ma tête. Je sais qu'il faut que je mette genre celles qui ont pas mal de bras à gauche. Et après, genre j'intervertis. Genre toi, tu vois, t'as un bras là. Après, genre, vous voyez, je vais. Toi, genre, il te manque deux bras et que ça fait le poids d'une jambe. Donc il m'en faudrait une qui a que deux jambes. Ah, toi, t'as qu'une jambe. Tu sais quoi, toi, je vais t'intervertir avec elle. Toi, je vais t'intervertir avec celle-ci. Non, c'est pas ça. Ah, voilà. Ok, c'est cool. Donc, on a la fameuse clé où va y avoir les mains bizarres. Je vais retourner dans la. Dans la chambre, voir si ça sauvegarde. C'est quand même angoissant. Bonsoir. Alors, j'ai plusieurs allumettes. Bon, du coup, tu sais quoi? Je vais t'allumer, toi. Je sais pas si ça sert à quelque chose. Je le fais quand même. Ah, ils me font toujours bader, c'est. Ouais, je vais retourner. T'es toujours là, toi? Je vais retourner voir si ça sauvegarde et puis on s'arrêtera là pour ce deuxième épisode. Alors, on aura eu notre première mort dans cette chambre angoissante, là, pleine de mains bizarres. Et puis, du coup, on reprendra le troisième épisode directement ici. Si on n'a pas de mésaventure avant. Là, j'avais tout fait ici, hein, dans cette pièce. Hein. Le tourne-disque. Ouais, j'avais tout fait, ok. Donc là, normalement, ça devrait re-sauvegarder, logiquement. Non, tu veux... Ah, il faut refaire un truc de bougie. Ok, donc c'est comme ça qu'on sauvegarde dans le jeu. D'accord. Sauvegarde. Ok, c'est cool. Donc, on peut toujours pas ouvrir. Et là, normalement, en fait, donc on se trouve dans... Alors, c'est quoi la carte, par contre? Elle est où, la carte? Ah, j'ai pas la carte. On se trouve dans... J'ai trouvé une carte, hein, on est d'accord? Ah, voilà. Donc, on se trouve dans la... Voilà, j'aimerais bien zoomer, mais je peux pas. Juste en dessous, la salle d'exposition 2, là. Voilà, on est là. Bon, bah les amis, écoutez, on va s'arrêter ici pour ce deuxième épisode. J'espère qu'il vous aura plu. On n'aura pas revu la... Enfin si, du coup, vu que je suis mort, on a revu la dame à la bouche énorme. Et puis, bah, on reprendra, on va essayer de résoudre cette énigme avec ce miroir dont je ne comprends pas l'utilité. Pour ce troisième épisode. Donc j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas hein, dans les commentaires à me dire ce que vous en pensez, si ça vous intéresse, si ce format de vidéo vous intéresse, parce que c'est vrai qu'avant j'étais plus du genre à faire des trucs un peu à la... Bon, on va pas dire à la va-vite, mais un peu sur tout et n'importe quoi. Là, j'ai bien envie de me concentrer sur ce petit jeu-là, d'en faire un petit let's play tranquille, quoi. Donc voilà. Allez les amis,
Je vous souhaite une bonne continuation, pardon, et à la prochaine.